Lily Rose est pas rentrée de l'école? Mais il est quelle heure? 20h? Et du coup, je suis tombée, j'ai voulu courir et... voilà, je me suis cassé la cheville. J'espère qu'ils sont pas trop loin. Esteban, Lily Rose. Peppa Pig. Salut, si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Qui est-ce qui m'appelle? Allô? Ouais, allô, Esteban. Peppa Pink? Oui, c'est moi. Est-ce que t'as vu Lily Rose, là? Parce que je suis à côté de son école et je la trouve pas. Lily Rose est pas rentrée de l'école? Mais elle est quelle heure? 20h? Mais c'est une blague, elle devrait être rentrée depuis 3h. Est-ce que tu pourrais me dire si tu l'as vue ou tu l'as croisée? Oui, je sais que c'est moi qui devais aller la chercher, mais bon, j'ai un peu oublié. Non, je me suis pas endormi. J'ai beaucoup travaillé, t'inquiète pas. Esteban, chut, dis pas que je suis là. C'est bon, tais-toi. Ah bah tiens, mais qui voilà? Mais qu'est-ce que tu fais dans cet état-là, Lily Rose? Chut, stop. Dis rien sur mes béquilles, c'est rien du tout, je t'expliquerai. Chut. S'il te plaît, tais-toi. Attends, je te rappelle. Qu'est-ce que tu fais dans cet état-là? Il faut qu'on arrange les choses, là. C'est pas possible. Non, en fait, je vais t'expliquer. En fait, avec une copine, je me suis disputée. Et du coup, je suis tombée, j'ai voulu courir et... voilà, je me suis cassé la cheville. Et pourquoi tu parles comme ça, super bas? T'as peur qu'on te repère? De toute façon, Peppa Pink, il est pas dans la maison, donc... tu peux faire autant de bruit que tu veux. Là. Il va pas venir. Bon, il faut qu'on trouve une solution parce que quand il va voir ça, il va se dire mais qu'est-ce qu'elle a encore fait celle-là? Je sais qu'on peut faire du bruit, mais s'il arrive et qu'il voit ça, bah je pense pas qu'il va être très content. Et aussi il va dire ah, mais tu t'es encore disputé avec tes copines. Oui, je sais, je me suis encore disputée, ça arrive tous les jours. Oui, je sais que ça arrive tous les jours, mais là tu te rends compte, t'as dû t'enfuir et en courant, tu t'es cassé la cheville. Tu te rends pas compte, tu vas à l'infirmerie toutes les semaines, on en a marre. Bon, moi je vais appeler Peppa Pink, je vais lui dire tout ce qui se passe. Non, s'il te plaît, l'appelle pas. Ou sinon, il va encore une fois nous virer de la maison, comme d'habitude. Il va nous virer de la maison? Il t'a déjà viré une fois sérieusement de la maison. À chaque fois, il dit, bon, sortez de la maison. Et 2 minutes après, il nous appelle. En fait, c'est une petite punition pour les petits enfants comme toi, pour leur faire peur. Bon, allez, je l'appelle. Allô, Peppa Pink? Bon, qu'est-ce qui se passe encore, là? Pourquoi tu m'appelles encore? Ouais, devine qui est là? Lily Rose, avec des béquilles. Quoi? Comment ça, elle a encore des béquilles? Mais comment elle s'est fait ça? Ouais, les béquilles rouges, là, comme d'habitude, elle s'est cassée la cheville, apparemment. Rien d'étonnant, on va dire. Bon, faudra m'expliquer tout ça, parce que moi, j'en ai assez, hein. Bon, allez, j'arrive. De toute façon, je vais vous punir. J'en ai marre. Mais pourquoi tu l'as appelée? J'en ai marre, moi, je prépare mes affaires. Bon, allez, je prends quelques habits, c'est bon? Ok, t'arrives? Ouais, bah, j'ai hâte que tu arrives. Eh oh, Lily Rose! Arrête là, prépare pas tes affaires, il va pas nous virer, c'est des bêtises. C'est moi, je vais me m'auto-virer, voilà. Je prends un shirt, un pantalon, voilà. Au revoir. Bon, Esteban, moi je pars, j'en ai marre. Quoi, comment ça tu pars? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Tu vas m'expliquer, j'ai eu un coup de téléphone, Esteban, il m'a expliqué. Non, allez, explique-moi tout ce qui s'est passé encore. C'est quoi ces histoires avec ses copines? Je me suis disputée avec ma copine, je suis tombée en courant, voilà. T'es tombée en courant? Et pourquoi alors? Tu t'es enfuie? Bah enfin, le voilà, tu fais moi la maline. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle a voulu courir parce qu'elle s'est encore embrouillée avec ses copines, tout ça. Et d'ailleurs, là, elle voulait carrément fuguer. Elle avait préparé ses affaires, elle voulait s'enfuir. Ouais, tu fais bien d'arriver à ce moment-là. Parce que sa cheville, je pense pas qu'elle va se réparer toute seule. Et d'ailleurs, je trouve ça bizarre, cette béquille. Il me semble l'avoir déjà vue quelque part l'autre fois. Elle avait les mêmes. Ça tombe, elle ment. Ah bon? Montre-moi cette cheville, Lily Rose. Tiens, peut-être que c'est celle-là. Bah comment ça, tu hésites? Je pense que c'est celle-là, non. Non, c'est bon, c'est celle-là. Bah, sois clair. Bah, c'est celle-là, la droite oui, ou la gauche? Je le promets, c'est celle-ci. À mon avis, tu me dis un bobard, là. Mais si, est-ce que t'as mal quand je touche ici? Ouïe, ça fait mal, aïe. Bon, assieds-toi, va t'asseoir. Ouais, assieds-toi là, on va t'ausculter. Regarde, j'ai trop mal. T'as mal ici? J'ai mal au tendon d'Achille. Et c'est en tombant que tu t'es fait mal au tendon? Oui. Bon, je vais aller chercher quelque chose. Bougez pas, j'arrive. Oui, je sais, Esteban, que tu t'en rends compte. Oui, je sais, j'ai menti, mais c'est parce que je voulais fuir de mes copines. Parce qu'ils m'embêtent toujours, moi je veux changer d'école. J'ai pas du tout mal d'ailleurs, je me suis juste fait un petit bleu parce que je suis tombée en récréation, c'est tout. Tu vas voir, dès qu'il va aller chercher son truc, il va se rendre compte que t'as rien du tout, petite peste. De toute façon, Peppa Pink, là,
Il dit qu'il va aller chercher quelque chose pour me soigner, mais en vrai, il va nous virer de la maison dès qu'il va remonter. Ouais bah, autant partir tout de suite, hein, si tu penses que ça va être ça. Moi je pense qu'il va pas nous virer du tout, comme si qu'il va nous virer de la maison, non mais vraiment. J'en suis sûre, parce qu'il va s'en rendre compte que c'est faux. Bon, allez, je vais t'ausculter avec mon nouvel appareil. Un cintre ? Bah oui, tu vois. Allez, okay. Pose ton pied dessus. Aïe, aïe, oui. Ouais, oh, non. Et normalement, tu fais pas semblant. Mon pied va faire à mon avis, non. Tu fais des bêtises là. Non, t'as pas mal. Tu m'as encore raconté des cracks, Lily Rose, et ça va mal se passer. Haha, je t'avais dit qu'elle avait menti. Elle a rien du tout au pied. À chaque fois, elle nous fait le coup, tout ça pour partir de l'école. Et d'ailleurs, pendant que t'étais pas là, elle m'a dit qu'elle voulait faire ça pour fuir ses copines. Parce qu'apparemment, elles sont méchantes, mais en vrai, elles font rien du tout. C'est elle la vraie peste. Et même à la maison, c'est comme ça. À chaque fois, tu crois que c'est moi qui fais des bêtises, mais en vrai, c'est elle. Comment, c'est vrai ça, Lily Rose? Bah, puisque c'est comme ça, tu vas rejoindre ton frère. Allez hop, sortez de la maison. Allez, Lily. Non, je sortirai pas, parce que dehors il fait froid. J'en ai assez de vous deux. Moi, avec vos bêtises. Tu sais quoi, je pars même pas avec Esteban, parce qu'il m'énerve trop. Je pars sans toi, bref. Et tu sais quoi, au début, moi je pensais, ouais, je pensais que t'avais encore fait une bêtise du genre. Non, t'avais pris. Allez, au revoir. Tu veux même pas savoir. Tu hors de ma vue. Oh là 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 là, j'aurais pas dû les virer comme ça, les virer dehors. En plus, il fait froid et puis il y a le confinement. Bon, je pense que je vais aller les rattraper et je vais les punir autrement, ces loustiques là. Ils m'énervent. Et puis j'ai une idée, je vais couper internet pendant 3 jours, comme ça Lily Rose et Esteban, ils pourront plus surfer. Et puis voilà. Allez Lily Rose, pars de la maison. Allez. Ok. Attends. La cave. Oh. Attends, il vérifie jamais la cave. Il va jamais à la cave. Vas-y, vite. Viens, va à la cave. Va à la cave. Oh là, par contre, il y a plein de trucs bizarres depuis qu'on a fait Halloween c'est à l'intérieur. Grave. On va quand même. Vas-y, rentre. Ça craint le pire, mais bon. Vas-y, rentre. Allez. Oh là 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 là. Maintenant, il faut fermer la porte à fond de la cave, comme ça personne va venir nous déranger. Oh là là. Par contre, attends. Quand on ferme la porte de la cave de l'intérieur, on est bloqué. Allez hop, je vais aller les chercher. C'est quoi ce truc là? Oh, trop bien, regarde dans la cave, y a des petits pois carottes. Oh, on peut manger. Des mousselines. Oh, y'a de la purée. Et du attends. Je vais aller les chercher dehors, j'espère qu'ils sont pas trop loin. Esteban, Lily Rose. Esteban, Lily Rose. Oh, ils sont passés où? Ils viennent de sortir juste maintenant en plus. C'est quoi ce bruit qu'on entend? Y'a quelqu'un qui est parti de la maison là? Mais oui, peut-être que Peppa Pink il est venu nous chercher parce qu'il avait peur qu'on reste dehors. Sauf qu'on est à la cave, attends. Et si on l'enfermait dehors? Oh, allez, allez. Attends, on peut pas sortir de la cave par contre parce que... Ah oui, c'est vrai. On peut certainement rentrer. Et Lily Rose, Lily Rose, j'entends Peppa Pink. On devrait crier pour qu'il nous repère. Peppa Pink. Peppa Pink. Bah, j'entends un bruit. C'est quoi ce bazar? Mais ça vient de la cave. Ils sont certainement à l'intérieur. Bah, vous êtes là, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, ah, t'es là enfin. Qu'est-ce que vous faites là? On était bloqué ici. Non mais c'est quoi encore ce en fait délire, on voulait pas aller dehors, du coup on est venu ici pour se cacher pour ce que tu nous as viré. Ouais. Et en vrai tu voulais pas nous virer. Non allez, j'ai une autre punition à vous donner. Montez vite. Ah, ok, bon, au revoir alors la cave. Vas-y, okay. Dépêche-toi, donne-moi ta valise. Viens. J'ai peur moi. Allez, hop. Bah viens. Ah, l'horreur. Allez hop, viens ici.